Olivier, bonjour. Bonjour. Tu es le patron de Vinatis, une vieille start-up de 13 ans, implantée à Annecy. Dans quelques jours, presque, le 1, 2, 3 février 2016, il va y avoir les sommets du digital, c'est-à-dire que tout le web français va venir dans ta région. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et comment tu vas pouvoir participer également au sommet du digital en partageant cette expérience que tu as de 13 ans de logistique, d'approvisionnement dans un univers qu'on adore tous, le vin? Je suis le co-gérant, puisqu'on est deux. Hein. J'ai un associé, un ami associé qui est co-gérant avec moi. En effet, ça fait 13 ans qu'on existe. On a un modèle un peu atypique dans le sens où on n'a jamais intégré d'investisseurs chez nous. On n'a jamais eu de moyens financiers pour aller plus vite que la musique. Donc on a eu une progression qui était assez linéaire, mais constante. Et surtout, notre modèle économique est basé toujours essentiellement sur le référencement naturel. Depuis un an et demi maintenant, on s'intéresse au marketing, chose qu'on n'avait pas fait au préalable parce qu'on n'avait pas les moyens de s'y intéresser. Donc, le sommet du digital va nous intéresser dans ce sens-là parce que même si on a 13 ans d'existence, on est assez novice dans cette partie-là. Et le fait de se confronter aussi avec des gens qui auront sûrement un peu plus de recul, un peu plus d'expérience que nous, va sûrement nous apporter beaucoup sur ce retour d'expérience. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans l'ADN de l'entreprise, il y a le partage, il y a les échanges pour progresser. Oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En plus, on est quand même dans une région où il y a quelques gros e-commerçants. On essaie de se croiser un petit peu. On va essayer de se voir plus souvent d'ailleurs pour pouvoir partager un peu notamment ses expériences. Donc oui, c'est essentiel. On ne va pas essayer de réinventer la roue. Si on peut se servir aussi des connaissances des autres, on gagnera du temps et de l'argent. Alors c'est toute une région parce qu'il y a aussi la French Tech d'Annecy qui sera au sommet du digital. Donc il y a un vrai écosystème digital ici. Bah, la vie est belle ici. Hein. Donc quand vous faites du web, vous dématérialisez beaucoup de choses. Donc c'est vrai que travailler à Annecy, c'est agréable. C'est une jolie ville, une jolie région. Donc, voilà, nous, c'est ce qui nous a poussé au départ à venir ici. Et c'est sûrement ce qui a dû aussi pousser quelques autres investisseurs à développer le e-commerce dans cette région. Alors justement, en parlant de e-commerce, ça sera un des sujets phares du sommet du digital. C'est quoi le nerf de la guerre dans le e-commerce? C'est vraiment la logistique? Oh non, c'est plusieurs facteurs et on peut pas le réduire à ça. Évidemment, la logistique est importante, mais tout est important. Ce qui est important, c'est de gagner de l'argent. Et c'est quelque chose de compliqué dans le e-commerce notamment. Donc pour ça, bien évidemment, il faut arriver à réduire ses coûts et essayer de vendre au meilleur prix. Donc l'addition de tous ces facteurs font qu'à la fin, Vinatis doit gagner des sous et les autres entreprises qui font du commerce ont la même logique, il faut gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a attendu 12 ans pour faire du marketing, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire et qu'on savait que s'il fallait en faire, ça nous coûterait sûrement plus cher au départ ce que ça nous rapporterait, et c'était une politique qu'on ne pouvait pas mettre en place. Donc, voilà, maintenant, notre société est rentable, gagne de l'argent, donc on va pouvoir se permettre de travailler sur d'autres vecteurs, et notamment le marketing. Mais non, les facteurs sont multiples, et c'est une addition de tous ces facteurs qui font une réussite ou un échec. Eh bien, on en reparlera au sommet du digital début février ensemble. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.